J'ai nommé Kabilla, pas du tout. Kabillo. Chut, silence. Ça pousse. Salut à tous, c'est Milo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans les studios de Art et Mouvement, les studios tout simplement de mes potes Cynthia et Guillaume, que je vous mets parfois un petit peu en story, vous kiffez bien grave. Aujourd'hui, on va apprendre la chorégraphie qui fait fureur sur les réseaux, j'ai nommé Tongoyette de Camila Cabello. J'espère que vous êtes prêts, comme d'habitude, n'oubliez pas que cette vidéo est en miroir, donc lorsque je vous dis à droite, c'est à droite pour vous aussi, lorsque je vous dis à gauche, c'est à gauche pour vous aussi. C'est le principe du miroir. Si tu es nouveau, je te souhaite bien sûr la bienvenue, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Brucht et Frucht et Frucht. J'ai plus rien à dire, du coup, bah écoutez les gars, c'est parti. Donc on fait accoutrement, mais dans ce super décor qu'on se retrouve aujourd'hui. Alors je vais bientôt lâcher ça, vous inquiétez pas. Et on va démarrer sur 5... Donc à 5-6, tu vas simplement venir ici taper deux fois dans tes mains. Et sur 7, il y a un accent qui va se créer. Tu vas ici sortir ta demi-pointe droite. Et tes bras ici, tu attrapes ton bazooka et ça fait 7 pour faire 1-1-1. Sur le don't go yet. Donc on a fait 5-6-7, don't go yet. Et là, on commence, on va rentrer dans le dur de la chorégraphie. On va se déplacer vers la gauche et ça va juste faire ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Donc simplement, attrape un ballon, maracas, maracas. De là, on va simplement attraper ces maracas, on va les envoyer derrière et notre jambe gauche va venir se placer devant. Je vous montre tout de suite, ça donne derrière. Reviens, tu fais un léger tour de maracas. Pour venir, tu ouvres ici en seconde, tu vas décaler ton buste légèrement en opposition du coup vers la gauche. Et ici simplement, tu vas rentrer deux fois ton genou, ça va faire rentre et rentre. Et comme vous avez pu le constater, quand je rentre mon genou, ça lève légèrement ma demi-pointe, même carrément, ça lève ma demi-pointe pour pouvoir venir plier ici. Ma main droite va venir taper, ça va faire chaque, chaque. Bon, je sais que vous n'avez pas connu, mais Joe Dassin, ça faisait l'Amérique. Là, exactement la même chose, tu vois, ce truc-là, si t'as connu, tu sais, t'es là, ouf, frappe. C'est parti, je sais que c'est un petit peu floux pour l'instant, mais on va revoir cette première partie depuis le début. On démarre ici pour faire 5, 6 à 7. J'ai ma jambe ici droite qui va bien se décaler pour ouvrir. Don't go yet. Décale à gauche. Et 1, 2, 3, 4. Pour faire 5, 6, 7 et 8 et. De là, on va passer, si vous êtes prêts, à la seconde partie. On est arrivé sur là, on a fait... Et 8. Et très important, c'est sur les contretemps. De là, je vais venir arracher le paquet cadeau de Noël. Donc là, tu arraches ici. Je dépose ici, je mets ici un step dans le sol avec ma demi-pointe sur la droite. Mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez juste le garder ici. Vous pouvez le faire choum, 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 choum. On va pas trop s'endormir les loulous parce qu'on va tout de suite, avec sa main droite, venir faire croiser. Je vous le montre de face et de près. Ça va juste faire ma carréna, tout simplement, clac, 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 et bien évidemment, vous le savez, il y a toujours des gens qui accompagnent le mouvement. Donc pour ce mouvement, j'ai expliqué, on fait ouvre, 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 et là, ça fait main droite sur hanche gauche, main gauche sur hanche droite, ensuite, la main droite va passer derrière, et là, quand on va revenir et qu'on va aller avec la main gauche derrière, c'est là que je vais faire un... Donc je vais simplement ici partir de ma hanche pour faire une espèce de vague, une espèce de... Ondulation. Ondulation, c'était le mot. Donc cette espèce d'ondulation, ondulation comme d'habitude les amis. Je vous mets une petite vidéo par ici pour vous entraîner si vous avez un peu du mal avec les ondulations. Deuxième partie, donc j'ai dit on est arrivé là. Et croise, croise, décroise. Là j'ai le poids du corps qui est tout parti sur ma jambe droite. Et là je vais plier, transfert de poids sur l'autre jambe pour venir faire ici coupe une ondulation. Là donc j'ai ma main qui est passée derrière et ma tête, vous avez vu, elle a un peu fait genre alouette. Évitez de mettre un petit coup de boule à Chuck Norris, mais juste tu vois l'idée. N'exagérons rien, mais tu vois l'idée que ça fait juste et il y a un petit retard de tête. Une fois que tu as fait la misère à Chuck Norris ici, tu vas simplement avancer ta jambe gauche devant et ça va juste faire pour revenir ici et monter sur demi-pointe et venir ici un peu plus près des étoiles. Je vous redécompresse ça, ne vous inquiétez pas, donc on est là. 1, 2, 3 et 4 et 5, j'arrive ici.
de là, mes bras vont venir ici, on va les prendre comme ça, et je vais simplement venir mouliner vers la droite. Et ce qui se passe dans mes jambes, je vais simplement poser ma jambe gauche devant, et je vais venir faire un rond ici, un rond de buste, regardez, rond de buste, ici, boum, boum, et dans ma jambe, je vais simplement venir la poser en parallèle. Là, ça va suivre le mouvement, je vais venir en dehors, donc je vais pousser mon talon, pousse ton talon pour revenir fermer et relever. Pas de panique, je vous redécompose cette deuxième partie doucement. On vient de finir sur ici, tic, rac, rac, 7 et 8 et pour faire 1, 2, 3 et 4 et 5 pour faire 6, reviens 7, monte à 8. Troisième partie, j'enchaîne parce que c'est vraiment pas difficile. Tu vas venir reprendre tes petites maracas et on va ouvrir ici vers la gauche sa jambe gauche. Donc ça fait maracas. Là, tu t'envoies danser avec les stars au Tuyonier. Maracas à droite, tu reviens. Toujours dans le registre danse avec les stars, ma jambe gauche va venir devant pour faire juste devant, derrière. Et là, tu fais semblant que tu vas refaire un devant, derrière, sauf que jette diagonale à droite, jette diagonale à gauche. Et là, on va démarrer un pas qu'on a déjà vu sur cette chaîne et que je vous ai déjà redécomposé la semaine dernière. Le pas de bourré, le lien juste ici pour revoir le pas de bourré. Donc, on est ici, on a fait jette, jette. Essayez d'être un petit peu plié dans votre genou parce que si tu es là, c'est très joli, mais c'est pas ça. Et là, tu vas faire derrière. Donc, jambe gauche derrière. Ouvre ici, derrière. Pour ensuite, chat! Essaye d'avoir la demi-pointe qui décolle pour avoir les fesses un petit peu plus près des étoiles aussi. Et de là, tu vas changer ta demi-pointe ici pour faire chat. Et bien évidemment, un petit peu plus près des étoiles de ce côté, ose aussi. N'oubliez pas que cette vidéo et cette chorégraphie, elle est très féminine ici. Mais si vous voulez la danser un petit peu plus de manière masculine, vous pouvez tout simplement le faire boum, boum, le prendre sur le talon, boum, boum, le prendre juste coup dans le buste. Boum, ici. Tu fais comme tu le voules, tant que c'est à ta sauce et que ta sauce, elle te plaît, ça fonctionne. On est arrivé d'ici, on a fait chlac, reviens, monte, maracas. Vous avez vu, je garde cette jambe gauche levée pour faire pause à gauche, pause à droite. De là, danse avec l'histoire, jambe gauche devant pour faire devant, derrière. Et là, c'est parti. Diagonale, ouvre, pas de bourrée. Pas de surprise. De là, on part sur l'autre côté. Surprise. Et là, il reste vraiment une chouillette de rien du tout. Donc, je vous la mets. De là, ça va faire attrape et attrape et pam, pam, pam. Ma main droite va venir attraper ici de mon côté gauche. Et je vais, regarder, changer ma demi-pointe pour faire woum. Et en même temps, je tire le sac Carrefour, et on va dire Leclerc pour citer plusieurs marques et qu'il n'y ait pas de concurrence. Et de là, je le prends ici, mon autre main, pour faire attrape. Et de là, tout simplement, je vais venir croiser mes bras et faire gauche, droite, gauche. Et après, ferme. Comme d'habitude, c'est la fin et sur la fin, c'est un petit peu le freestyle. Je crois que c'est l'heure qu'on récapitule. Je vous redécompose tout ça depuis le début, doucement, avec les comptes. Ensuite, on se fera en musique une première fois à vitesse réduite en 0,75 et ensuite, on se le fera en vitesse normale. Depuis le début, c'est parti, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, reste. Dongoyette vers la gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8 et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8. Maracas. 1, 2, 3, 4. Danse avec les stars. 5, 6, 7 et 8 et ha, ha et racaca. Ok, j'espère que vous êtes prêts. On va y aller. Attention. 1, 2, 3, 4, reste, dongo et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, maracas, maracas, danse avec les stars devant et chaque, pas de bourré, reste, attrape, et
J'espère que vous êtes prêts, on va y aller. Préparez vos maracas. 1, 2, 3, 4, reste. Et, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reste. Rakata, reste. Et maracas, maracas, devant, derrière. Ha, 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 reste. Reste. Attrape, attrape. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, j'ai oublié de vous dire, pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des petites suggestions à me faire, qu'est-ce qu'on dit d'autre après, je ne sais plus. Lâche ton meilleur like. Enfin bref, c'est tout pour moi, parce qu'on est tous des super-héros. Bye. Hey, yeah, yeah. I gave you my heart.